gouvernement ça qui là qui gagne en tête un premier ministre décrié criminel mafia sinistre on ne peut plus monsieur nommé monsieur pour arrêter li nommé Jean-Joseph Lebré comme président de la Cour de cassation. Ah, Daniel, vous êtes nerveux. M'bavle nan goumen. Vous parlez de André Michel, un abolotio, un voleur, un criminel, un metam, un avocat qui a fait dossier tout côté et qui a bon l'argent pour être caribé. Vous n'y avez pas de nerveux pour plomber André Michel dans la conférence de presse. Et, monsieur, qui t'aime là? Ariel, pas ni le droit, ni pouvoir pour nommer président de la Cour de cassation. Qu'est-ce qui arrive là? Ariel pour aller. Moi, nous connaissons pas, j'aime annoncer bagay que m'a maîtrisé. Ariel pour aller. C'est Daniel Zel 4 qui a joué là. Ariel, t'as gagné attention. Deuxième lundi mois de janvier, il pral prend un décret pour qu'il nomme 9 juges, 9 membres du conseil électoral. Et ça, il te gagne. Parce que, en bas là, nous avons, soi-disant, 10 sénateurs, kidnappés, volés, criminels, dealers de drogue. Yo là, papa, tu veux, Ariel t'a joué pour arriver, deuxième lundi mois de janvier, pour te dire, constater, Sénat vide. Et il t'a pas de arrêter pour nommer 9 membres dans le conseil électoral. Il n'a pas de temps. Ariel, allez. Dernière décision, monsieur qui soi-disant dit que le premier ministre l'a créé, Ariel Henry. Mais c'est ça, nous tous, comme journalistes, sommes capables de garder son cynique et c'est un criminel dernier état. Ariel Henry. Monsieur, dame journaliste qui l'a, m'a rappelé, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, tout acteur, soi-disant politique en Haïti, a répété un grain de tintin. Pas de provision légale pour que nous résoudre la crise. Là. Moi, je toujours dit, c'est menti, c'est pas vrai. Gagner position légale, gagner proposition légale et gagner provision légale pour la crise là, résoudre, c'est vrai ou pas vrai. C'est volonté, il n'y a pas rien. Mathieu m'a venu pour me dénoncer le gouvernement Sakila. Dans la tête, li, qui vient soi-disant un médecin, un adventiste, qui relève Ariel Henry. Je ne sais pas, et dans 6 mois là, je ne pas jamais danser coller avec elle, parce que je ne sais pas qui est-ce qui mette. Ariel Henry. Nous avons remarqué. Ariel Henry prend une décision, semaine ça, lui nommer un président de la Cour de cassation. Monsieur dame journaliste qui l'a, qui t'aime dit nous, yon premier ministre, quitte l'ité légal ou bien pas légal, il n'y a pas de pièce autorité ni pouvoir pour mettre un président de la Cour de cassation. Et je dis à nous garder. Il me dit non. La Cour de cassation, la Constitution claire, il dit, c'est le Parlement, en parlant, le Sénat, qui réunit, qui est capable de faire choix des 3 juges en dedans, en commission, qui est envoyé par le président de la République là, ou président de la République là choisi, yon. Dans 3 mouns que le Parlement propose. Les ont choisi 12 membres de la Cour de cassation. Ils ont même réuni entre eux. Ils ont fait une élection, une assemblée, ils ont choisi le président. Ce n'est pas ni le président qui est élu démocratiquement qui est capable de choisir le président de la Cour de cassation. C'est tout magistrat que le Parlement. Avec le président Finanton, il choisit Mambio. Et la Cour, qui a 12 membres la donne, il a réuni entre eux, il choisit un président. Voilà que je dis, nous jouons un équilibre.
nous jouons en mafia, nous jouons en criminel, en dandy, qui soi-disant dit c'est roi, il est capable de prendre décision pour nommer un président de la Cour de cassation. Nous dénonçons ça et nous avons dit Ariel, nous en guerre contre lui aujourd'hui. Et nous ne pas croiser bras nous. Et moi-même, nous tous qui avons servi témoin, nous disons que moi, je ne vais pas parler là. Parce que, vous avez un salopiti en deux pays qui dit c'est leader. Et c'est eux qui mettent nous là. Et c'est eux qui font nous vivre là. Je ne dis pas qu'il y a une vision légale, mais je dis à un qui sorti nulle part capable de prendre décision pour le nouveau président de la Cour de cassation. Claire? Après tout effort, après tout combat nous menons pour nous installer jusqu'à présent, soi-disant, démocratie dans le pays, nous plutôt faire mon absurde. Puisque Ariel Bralé, lui-même avec Michel Martelly, il a entendu, il a choisi Jean-Joseph Lebré pour faire une président de la Cour de cassation et automatiquement l'aller comme qu'on a pu. Et qu'on peut une organisation qui dit pour que la crise d'arrêt résoudre, faut que ces constitutions qui pour tout le monde doit être d'accord, accepter pour nous jouer un compromis autour des constitutions pour que nous choisissions un président en un coup de cassation parce que toute partie politique se mettait bravo dans la bataille pour aller sous terrain pour nous dire pour que nous allions à l'élection. Eh bien, comme monsieur aujourd'hui a, il vient d'un dernier bout de Ariel, par exemple, l'autre bout de Pabois, il va aller dans la cabine là, et même à Martelly ou Antonio, ils ont nommé Jean-Joseph Lebré pour venir remplacer Ariel. Comme nous-mêmes nous avons dit que ce n'est pas la constitution pour qu'ils la résoudre, et bien automatiquement, ils prennent Lebré, comme la Cour de cassation, nous prenons d'accord. Maintenant, nous, Ariel Bralé, crise là, pourquoi à résoudre. Ariel Bralé, et crise là, pourquoi résoudre. Ça n'est pas dans la tête, tu vois. Ils pensent que nous prenons valer Lebré. Lebré, illégal. Et dans le jour où nous avons pris avec tout allié, nous allons voter plainte contre les bruits. En tant qu'avocat, en tant que juge, nous allons être d'accord en telle nomination. Parce qu'il est illégal, il y a un premier ministre. Non seulement un premier ministre de fait, les bruits en tant qu'avocat, en tant que juge qui est là, il va être d'accord pour que Ariel prenne telle décision. Qui s'est passé dans la crise là? Mais si on a un problème, on a un grand monde. Je dis à pour crise d'a résoudre, messieurs, dames, on grain goutte. Jovenel, te prend un décret, li te revoke trois juges de la Cour de cassation. Pour crise d'a résoudre, je dis à, faut que trois juges sa yo tourne dans la Cour de cassation. L'article 175, 177, li dit juge nommé pour 10 ans, yo inamovible. Un président n'a pas de pouvoir. Il n'a pas d'autorité pour censé prendre une décision pour casser le mandat ou même pour mettre fin dans le mandat. On juge dans la Cour de cassation. Pour que ça résoudre, il faut que trois juges tournent dans la cour pour siéger. Pour qu'ils prennent une décision selon les normes constitutionnelles. Pour qu'ils choisissent juge qui est plus ancien pour venir diriger et présidence provisoire. Et à partir de là, pour nous chercher un compromis pour aller dans l'élection. Tout autant. Ce n'est pas route ça qui prend. Et c'est ça oui qui est correct. Nous-mêmes, capitaine Demla, nous même pas une déposition. Là, on est, c'est homme de loi. Lorsque c'est leader, il faut un caractère et faut une parole d'honneur. Par l'autre route pas bois pour crise d'a résoudre. Ce n'est pas la constitution de 1987. Nous amendons. Quand il y a un jugement d'ailleurs fini, il y a tous les deux quoi. Et trois juges illégalement, Jovenel de prédécision en 2021, il y a tourné dans la Cour de cassation, il y a siégé, et puis crise a résoudre. Et c'est ça, nest pas, parle, et qu'on aime, il n'y a pas d'accord qui fait peuple haïtien rester dans la souffrance. Là. Tout accord, tout plan de cap parler là, c'est Nat Marinat pour faire tant perdu. Il y a tout comme pour crise résoudre. Pour résoudre, je dis, qu'on passe par la Cour de cassation. Et ça fait nous-mêmes, nous dénoncer Ariel qui vient prendre une telle décision à la dernière minute. Et c'est là qu'on va le garder. Et c'est à partir de ça nous dit, là, on va le garder pour moi
leader politique qui dit qu'il remet le peuple là. N'est-ce qui des sénateurs, n'est-ce qui des députés qui dit qu'il remet le peuple là. Pour moi qui comporte moi, je vais pour n'être d'accord, accepter. Et c'est dernier goutte d'eau qui pour renverser vase là. Pour nous tout de suite, ensemble, pour nous dire priorité pays, c'est le premier. Nous ne pouvons pas quitter Ariel, fait tout le bagage. C'est le dernier bagage pour Ariel faire là. Pour tout le monde qui dit qu'il n'y a pas de papier, mais il soit dit qu'il est d'accord, chita, pour nous jouer un compromis autour des constitutions. Hein, pour trois juges qui d'ailleurs nous faisons entrer, trois juges mandats pour nous faire entrer, et puis pour crise là, résoudre. Et c'est ça, Mathieu, nous-mêmes, nous venons dénoncer ça. Vous pouvez pas dire, président, parce que l'année, il n'y a pas de nomination, Ariel fait, nommé ministre et nommé directeur général. Tout ça, c'est sous ça seulement, nous avons problème par rapport à la président qui a fait nomination. Depuis là, nous tous les journalistes qui ont servi de témoin, depuis là, Ariel, paraît là, moi-même, en guerre contre vous. Et pas je dis, nous-mêmes, nous avons essayer, garder, parler, réfléchir, faire rencontre. Pour que la crise là soit capable de jouer enfin. Il y a un paquet de problèmes ici. Tout le monde a fait par eux à régler. Ce n'est pas le dernier bagage ça, nous-mêmes qui permettent nous à parler là. C'est dernier. Nous avons dit fréquence Ariel fait là. Et ça fait nous faire appel avec toute classe politique là. Avec tout le monde qui dit que c'est des Français, droit de l'homme, pour yon chire tout vieux papier ou gen là, tout vieux papier à d'autres, ça yon, chite yon, chita, chire yon jete, pour nous chita ensemble, pour que nous joignent en solution, pour nous joignent, t'as capable de dire, un minimum de temps, pour que ça résoudre. Ariel, pas de pour, il a fait toute bagaille, mais arrivé là, c'est dernière limite, les jambes, non seulement, et bon, il n'y a pas dit les brins. C'est président commission, non? Il dit les brins. C'est président de la Cour de cassation. Nous avons déjà ni président de la République, ni premier ministre, pas de pouvoir autorité pour que vous nommiez mon président de la Cour de cassation.